Arrêtez pas d'appeler Liliane pour vérifier que son fils allait bien. J'ai besoin de courage. C'est la même chose, non? Vous voulez qu'on en parle? Pas vraiment, non. Pardon. Non, parce que... c'est... Ça vous est déjà arrivé de... devoir prendre une décision? Et de savoir que vous allez faire beaucoup de mal autour de vous? Ça vous dérange pas si j'ouvre un petit peu la fenêtre? Non, non, mais allez-y, parce que nous, on sent plus rien de toute façon. Okay. Ah, allez-y. Tu as fait manger des merguez ou quoi? Chou-fleur. Quelle idée, chou. Mais pourquoi? Bien. Ouais, puis t'embrasses les chiens aussi. Une garde alternée. Alors, la résidence principale pour moi, et Gisèle la prend en week-end sur deux, la moitié des vacances. Excuse-moi, j'ai pas bien compris. Quoi? Mais enfin, mais pourquoi? Mais parce que tu l'as jamais aimée, cette bête. Enfin, c'est pas parce que je veux pas dormir avec elle que je l'aime pas. On entend. On était d'accord avant d'arriver, Jérôme. Mais t'as eu ta mère au téléphone, c'est pas possible. À chaque fois, tu changes. Mais ça, c'est toi qui ressens tout le temps la même chose. Stop, stop, s'il vous plaît, écoutez-moi. Chevalier. D'accord. Pourquoi? Il va bien être obligé de statuer, enfin, c'est un peu son boulot de juge quand même. Je suis d'accord avec toi. Vous allez en avoir besoin tout à l'heure, c'est bon, là. On va se baser sur les faits. Alors, comment ça, les faits? Tu la trouves, je fais quoi? Lui, tu le tues. Tu signes un flingue, il braque chez Ron. Maxime. Ah non, mais vous pouvez être flatté parce qu'elle ne lèche que les très jolis chevilliers. Pouf, type. Non, mais ça va vous faire du bien, tous les deux, si je la travaille un peu. Ah, ma belle. Ah, est-ce que je t'ai déjà frappé? Bon, récemment. Arrête tes conneries, hein, tu sais que je vous aime, la grosse et toi. Maman, viens, ma chérie. Viens me voir. Viens, papa. Non, tu peux, tu triches. Pas du tout. Si on est fallu de peu, on est à deux doigts de le perdre. Le pronostic vital reste engagé, mais on fait le maximum. Hein, on vous tient au courant? Mais je suis très content à cause de toi, où on en est? À cause de moi, enfin je rêve! J'aurais bien accepté la garde partagée, c'était plus simple! Mais la simplicité n'a rien à faire avec les sentiments! Oh, ta gueule est pas moi, t'es plus verbale! Hein.